sommes décidés à mettre en place la décision prise par le gouvernement d'Israël à quitter le Liban jusqu'à juillet cette année. Nous espérons enfin que la situation deviendra calme, sans danger. On sera sur notre frontière. Tous les éléments qui prétendent en attaquant Israël, qui sont contre une armée étrangère sur leur sol, alors qu'ils se déclarent eux-mêmes contre la paix et la stabilité, ils n'auront plus de prétexte. Nous avons un vœu, c'est de voir le Liban redevenir un pays calme. Dans l'hypothèse où le retrait se fait dans le cadre d'un accord, la France est prête à participer à des arrangements de sécurité qui lui seraient demandés par les uns et par les autres. Ça a été dit depuis longtemps par le président de la République, ça a été rappelé depuis et également par le gouvernement. Si nous sommes dans le cadre d'un retrait unilatéral, nous estimons que ce n'est pas à la France seule ou à la France isolément de traiter cette question, c'est aux membres du Conseil de sécurité saisis par le secrétaire général. Et nous resterons en contact très étroit au cours des prochaines semaines, comme avec les protagonistes. Merci.